بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم جميعا. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous avons l'honneur d'accueillir notre sœur Hanan Afba. Marhaban biki, Hanan. Allah yibarak fik. Et Inch'Allah, je te laisserai te présenter Inch'Allah ta'ala, mais avant, juste une petite introduction. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de bienfaits, parmi ces bienfaits, des aliments, des boissons, qui vont être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce propos, mangez et buvez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Dieu vous a accordé. En surat al-Baqarah, il nous dit aussi, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Et il nous dit également, c'est lui qui vous a soumis sous la terre, qui vous a soumis la terre et parcourez donc ces grandes étendues, mangez ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il nous dit aussi, aux croyants, mangez des nourritures licites que nous avons attribuées et remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Mais attention, comme dans toute chose, il faut un cadre. Il faut des limites. L'excès n'est pas bon. C'est une règle dans notre belle religion. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Ya ayyuhan nas, de ce qui existe sur la terre, mangez ce qui est licite et pur. Ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Et enfin, il nous dit, « Mangez et buvez, évitez les excès. Allah n'aime pas les gens qui sont dans l'excès. » Subhanallah al-Azim. Voilà, donc on voit à travers ces versets que le musulman, alhamdoulilah, a le droit de profiter des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Cela dit, il faut que ce soit cadré. Et on voit aussi à travers ces versets que le musulman se doit de prendre soin de son corps, de ce fait de sa santé, sans oublier qu'Inch'Allah ta'ala yawm al-qiyama nous avons des comptes à rendre, y compris sur cette amana qui est notre corps. Et on le sait, il y a deux choses importantes dans cette vie dont malheureusement on ne connaît pas toujours la valeur, ce sont la santé et le temps. Donc Inch'Allah ta'ala, avec notre sœur Hanan, on va apprendre justement à prendre soin de notre santé, surtout pendant ce mois béni, Inch'Allah ta'ala, qui est une opportunité pour nous, justement, de prendre soin de nous. Wallahu a'lam wa a'lam. Tafaddali mashkoura ya ukhti. Barakallahu fik pour cette belle introduction. Barakallahu fik, Allah yjazik. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est jamais simple de faire un live à la fois sur Insta et Zoom. On ne sait pas trop où porter le regard, mais je vais essayer de switcher entre les deux, Inch'Allah. Donc, je vais commencer avec la première partie de mon intervention qui porte en fait sur l'importance de l'alimentation saine du point de vue religieux. L'importance de l'alimentation chez le musulman a, je trouve, les derniers siècles ou les dernières décennies perdu de son sens et de son importance. Je vais augmenter un petit peu le son, mais normalement, je pense que c'est bon. Okay. On t'entend parfaitement. Ok, ça va, d'accord. Donc, le souci n'est pas chez moi, alhamdoulilah. Ok. Je trouve qu'on a perdu un petit peu de cette question de l'importance de l'alimentation du point de vue spirituel. On ne lui a pas donné sa juste place. On l'a un petit peu occulté pendant tout un temps. Mais alhamdoulilah, je constate que depuis quelques années, il y a un retour à une prise de conscience par rapport à l'importance de l'alimentation dans la préservation
de la santé, de son corps physique, mais aussi, on va dire, de son corps spirituel, entre guillemets. L'un équilibre, enfin, l'un est important pour équilibrer l'autre. Quelques rappels. Il faut savoir qu'on a différents versets et notre sœur nous en a cité quelques-uns qui nous enjoignent en fait à nous alimenter sainement à travers le Coran, que ce soit par la terminologie utilisée qui est le mot manger, donc le verbe, que ce soit par l'eau ou la boisson qui a été citée plus de 30 fois dans le Coran, et puis divers aliments aussi qui sont cités dans le Coran. On a par exemple le gingembre, la viande, les fruits, le lait. Les lentilles, l'oignon, etc. Donc, on a pas mal d'aliments qui sont cités dans le Coran. Et puis, on a toute une série de hadiths. Donc, on dénombrerait, Allahu A'lam, mais plus de 4000 hadiths qui font référence à l'alimentation. Et quand on s'intéresse de près au modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte que non seulement il y avait des hadiths qui portaient sur les habitudes alimentaires, il y avait d'autres hadiths qui se rapportaient plutôt à des gestes à adopter par rapport à la nourriture, puis certains comportements, certaines attitudes, que ce soit dans la manière de s'asseoir, dans la manière de boire, dans la manière de manger, par exemple avec les trois doigts, le fait de boire à plusieurs reprises, etc. Enfin, toute une série, j'irais, de conseils qui font référence à l'hygiène de vie et qui sont pleines de sens en fait. Et comme je le disais, on a totalement oublié cette partie pendant très longtemps et c'était un petit peu comme si l'alimentation, enfin, c'est juste remplir quelque chose, mais voilà, on a perdu le sens qu'il y a derrière la nourriture. Puis si on explore le modèle du prophète, on se rend compte que c'est hyper important dans notre quotidien. Et il ne faut pas attendre en fait que ce soit la science moderne qui vienne nous dire que s'alimenter sainement, c'est important pour préserver sa santé. D'ailleurs, quand je dis oui, ces dernières années, ça a changé. C'est aussi en faisant référence, pendant la pandémie, depuis la pandémie mondiale qu'on traverse, eh bien, je me rends compte qu'on est énormément de personnes à avoir conscientisé l'importance d'une alimentation saine aussi. Donc parfois, on a aussi besoin de rappels à travers des épidémies, des maladies pour prendre conscience de l'importance de la préservation de notre corps et de notre santé. Alors, en médecine prophétique, il faut savoir qu'on énombre un certain nombre de qualités que les aliments doivent présenter pour être considérés comme étant qualitatifs. Donc, quelles sont ces trois qualités? Donc, elles sont reprises par Ibn al-Qayyim dans la médecine prophétique. Donc, la première, c'est une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur, et enfin une rapidité de digestion. Donc ici, j'inviterais tout un chacun qui regarde ce live aujourd'hui à conscientiser en fait son alimentation, essayer d'observer, d'analyser ses journées alimentaires, que ce soit durant Ramadan ou hors Ramadan, et d'essayer d'établir une liste des aliments qui représentent ces trois qualités et quels sont ceux qui ne présentent pas ces trois qualités. Alors, si vos 80% de votre journée, elle répond bien à ces trois qualités, c'est parfait. Si on est dans la tendance inverse, il y a des questions à se poser et du coup à essayer de voir et d'observer quelles sont les petites choses qu'on peut changer progressivement pour améliorer son alimentation et tendre vers ce modèle, je dirais, des trois qualités. Alors ici, Ibn Qayyim aussi, il nous rappelle qu'en fait, l'estomac est, je dirais, le noyau de tous les maux. Donc, c'est-à-dire que les désordres physiques vont apparaître à partir des désordres digestifs. Et on le sait actuellement, depuis quelques années, il y a énormément d'études scientifiques qui s'attellent à analyser le microbiote intestinal. Il est d'ailleurs appelé le deuxième cerveau, donc ce n'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment, je dirais, le système digestif est un système clé dans la préservation de la santé. Et donc, Ibn al-Qayyim, il nous explique que les maladies sont causées par la nourriture et par différents aspects, je dirais, par rapport, enfin, dans notre relation à la nourriture et dans la quantité d'aliments qui sont consommés. Donc, les maladies peuvent être causées soit par le fait qu'on introduise une nourriture avant la digestion de la précédente,
Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait dans la société actuelle où on n'a plus vraiment de repères au niveau des horaires, on n'a plus de repères en termes de sensations alimentaires. Et on a tendance à manger, surmanger au fur et à mesure de la journée sans conscientiser le fait de s'il y a réellement eu un besoin physiologique qui a précédé cette envie de manger ou pas. Il y a le dépassement de la quantité. Là aussi, pareil, on n'est pas à l'écoute de notre sensation de satiété qui est le signal qui indique que le corps a reçu suffisamment de nourriture. Et donc, on a tendance à être dans ce qu'on appelle le degré de l'excès, ce qui peut, d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, provoquer l'apparition de maladies. Le troisième point, c'est la consommation d'aliments peu utiles et lentement digérés. Donc, pareil, on est dans une ère de surabondance alimentaire avec énormément d'aliments transformés, manufacturés, qui ont subi des processus de transformation très délétères et qui également vont venir fatiguer notre organisme et vont venir le pousser à dépasser ses capacités de digestion et d'assimilation. Donc, on n'est pas dans une nourriture qui nourrit, mais dans une nourriture qui va déminéraliser et fatiguer le corps. Et enfin, le fait d'avoir une abondance d'aliments de compositions diverses et variées. Et on sait à ce sujet que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, excellait dans sa manière de combiner certains aliments et d'éviter de consommer certains aliments au même moment. Pourquoi? Parce que chaque aliment présente une structure biochimique différente et que du coup, il y a un temps de digestion qui est différent, un travail enzymatique qui est différent. Et le fait d'associer certains aliments qui ne vont pas ensemble peut également faire qu'on dépasse nos capacités de digestion et d'assimilation. Et de cela, en fait, Ibn al-Qayyim, il établit les trois degrés dans notre alimentation. Donc, on a ce qu'on appelle le degré du besoin, le degré de la suffisance et le degré de l'excès. Donc, pareil ici, que tout un chacun conscientise à quel niveau de degré je me situe moi dans mon quotidien et dans ma relation à la nourriture. Est-ce que je suis plutôt dans le degré du besoin, dans le degré de la suffisance et dans le degré de l'excès? Et c'est là aussi qu'on conscientise en fait que l'excès alimentaire peut être source de désordre spirituel, puisqu'Ibn al-Qayyim nous dit que le degré de l'excès va venir engendrer la corruption du cœur, la paresse des organes face aux actes d'obéissance et leur penchant vers les désirs qu'implique la satiété. Donc, remplir à l'excès mon ventre de nourriture va non seulement nuire à mon corps, mais également à ma spiritualité. Alors, je vais revenir aussi sur, je ne sais plus si tu l'avais cité ou pas, ce verset-là, dans ton introduction, Sourate An-Nahl, verset 114, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. » Donc ici, en fait, on se rend compte de deux dimensions. Donc il y a non seulement une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala à manger des choses licites, donc là, on a tout le cadre jurisprudentiel qui vient nous expliquer ce qui est halal et ce qui est haram au niveau de l'alimentation. Et puis, on a aussi la dimension du taïb, donc du sain, du pur, du bon, et qui, de nouveau, c'est l'exemple que je reprends souvent quand je donne une conférence, c'est que quand on va dans une grande surface et qu'on analyse une étiquette sur un produit, on va s'atteler à ce qu'il n'y ait pas de gélatine de porc, par exemple, ou de graisse animale. On va s'atteler à chercher des traces d'alcool ou autre, donc un aliment haram, un aliment haram, mais on ne va pas s'atteler à la qualité du produit. Donc, on ne va pas vérifier s'il y a du sucre en excès, on ne va pas vérifier s'il y a des acides gras transformés, on ne va pas forcément vérifier le nombre d'additifs qu'il y a dans le produit. Et tout ça, en fait, dans ce verset, les deux éléments sont repris. Donc, on a à la fois l'importance de manger de ce qui est halal, mais on a aussi cette dimension du tayyib qui doit occuper une place importante dans nos choix alimentaires. Et ça, en fait, ça demande quoi? Ça demande une responsabilité. Une responsabilité individuelle, donc dans le sens où c'est à tout musulman de devenir un acteur conscient de son alimentation, de faire des choix alimentaires conscients, réfléchis, d'investiguer ces questions-là. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les industries agroalimentaires qui vont venir vous dire quels sont les aliments qui vont être bons pour votre santé et ceux qui sont mauvais. Donc, par ailleurs, on a beaucoup de ce qu'on appelle des allégations nutritionnelles
Des informations qu'on va retrouver sur les emballages qui viennent dire, voilà, riche en telle vitamine, excellent pour le transit, des petites choses comme ça qui viennent en fait perturber le consommateur et l'induire en erreur. Donc, venir lui présenter un produit qui est soi-disant sain, mais en fait, non, pas du tout. On est dans quelque chose de transformé, etc., donc de plutôt délétère. Alors, je regarde un petit peu s'il y avait encore un point. Ouais, j'arrive à la fin de la première partie, Inch'Allah. Je t'en prie. Non, non, c'est continue, Inch'Allah. Très intéressant. Barakallahu fik. Mais, et aussi, je voulais relever un hadith de Aïcha radiallahu anha et qui nous explique en fait que toute crise qui touche une communauté après la mort, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la satiété. Et elle nous explique dans ce hadith, je ne l'ai pas sous la main, mais qu'en fait, quand le corps est plein et qu'il est gras, eh bien le cœur est en quelque sorte corrompu, subhanallah, et que du coup, ça peut être source de désordre spirituel. On a aussi ce rappel d'Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, où il nous explique que tous les désordres sur la terre, donc dans la qualité de nos fruits, de nos aliments, de notre eau, de nos plantes, etc., est issu de nos désordres spirituels. Donc il nous explique qu'à chaque fois que l'être humain s'éloigne du message des messagers, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vient altérer la qualité de notre nourriture. Et moi, je fais souvent le parallèle avec la société dans laquelle on évolue actuellement, où l'être humain, par vénalité, par souci de rentabilité, par souci de faire plus d'argent, a lui-même altéré la qualité de son alimentation. Donc, il y a un but, c'est vendre plus, pousser l'humain à consommer plus. Et ces objectifs-là font qu'on arrive à des procédés de surexploitation animale, de surexploitation agricole, de modifications génétiques de nos céréales pour produire plus, pour avoir quelque chose qui périme moins dans le temps et au final avoir provoqué, donc c'est l'humain en fait qui a lui-même provoqué l'apparition des maladies modernes. Donc ça aussi c'est un rappel pour tout un chacun, en plus on s'éloignera de la parole divine, au plus l'humain va provoquer l'apparition de maladies. Donc pour conclure cette première partie, je dirais que c'est très important de conscientiser l'importance de l'alimentation, l'importance de l'alimentation au niveau coranique et des hadiths. Donc, je vous invite vraiment à vous tous qui êtes parmi nous à prendre le Coran et à faire peut-être cette petite recherche, se dire tiens, quels sont les versets qui parlent d'alimentation, d'aliments, etc. Et d'explorer aussi les hadiths et d'essayer d'adopter, je dirais, les petites bonnes habitudes qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de s'alimenter dans notre quotidien, et de conscientiser le fait que c'est un petit peu un système de vase communicant. Donc au plus mon alimentation va être saine, au plus je peux m'élever spirituellement, et de même que du fait que au plus je m'élève spirituellement, au moins je dirais que l'importance qu'on donne à l'alimentation et au plaisir alimentaire dans notre dans notre quotidien va diminuer au fur et à mesure, Inch'Allah. Excuse-moi. Oui, Inch'Allah. Subhanallah, et pour ajouter justement, pour compléter ce que tu viens de dire, Nabi alayhi salatu wassalam nous dit « Jeûnez, vous acquérez la santé ». Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, bien sûr, on a ce résultat à condition qu'on jeûne correctement. Si nous jeûnons et que on se retrouve avec des maux, on va dire physiques, physiologiques, il faudrait se poser la question non seulement sur le jeûne en lui-même en tant que thérapie entre guillemets, mais aussi en tant que culte, subhanallah, hein, puisque le jeûne normalement est là pour améliorer notre santé, subhanallah. Et je reprends aussi, tu as parlé d'estomac tout à l'heure, les Arabes disent
L'estomac est le lieu de toutes les maladies. Et la diète est le pilier de tous les remèdes. Donc la diète, yani siyam, yani subhanaka ya adil. Et Nabi alayhi salam nous dit clairement, et là il est vraiment, c'est très clair, nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim. Et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas jusqu'à satiété. Subhanaka ya adil. Là, quand on lit des hadiths comme ça, subhanallah, avec la surconsommation dans laquelle nous vivons actuellement, c'est incroyable. Subhanallah. Subhanaka. Barakallahu fik. Donc, je pense que tu as terminé la première partie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, inshallah, je vous propose, inshallah, si vous avez des questions par rapport à cette première partie, marhaban bikouna, vous pouvez les écrire, je vous lirai, inshallah, avec plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous lis, que ce soit sur Zoom ou sur Instagram. Marhaban bikoum. Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas de questions. C'est tellement clair. Allahumma barak. Masha'Allah. Donc, c'est très pertinent, nous dit une sœur, Allah mubarak. Bismillah, à la barakatila, je vous lis, Mibrahim. Amin, wa yakum. Amin. Alors, comment ne pas prendre du poids pendant Ramadan? Ah, ça, on va y venir justement dans la troisième partie, Inch'Allah. Exactement. Donc, retenez votre question, Zohra, et on y répondra, Inch'Allah, dans la troisième partie. Le sentiment de satiété est-il inné chez les enfants? Oui. Ah, très bonne question. Je te laisse répondre. Oui. Donc, il faut savoir que le bébé, il arrive sur Terre avec cette capacité à repérer sa satiété et sa faim par lui-même. Et l'exemple que je reprends aussi souvent pour illustrer cet aspect-là, c'est qu'il n'y a personne qui vient indiquer à la naissance au bébé de venir se poser au sein de sa maman et de s'abreuver du lait maternel. Ça se fait très naturellement, très intuitivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain avec cette capacité-là à reconnaître sa faim et sa satiété. Malheureusement, il y a certaines attitudes déjà dans l'enfance qui vont venir faire que l'enfant va se déconnecter de sa sensation de faim et de sa satiété. C'est le fait de le forcer à finir ses assiettes, le fait de manger quand il n'a pas faim, des choses comme ça, ou de le récompenser par la nourriture. Et en fait, on vient le déconnecter de ses sensations alimentaires, ce qui va venir se reproduire à l'âge adulte également. Mais nous sommes tout à fait aptes, même en étant adultes, à faire ce travail de sensibilisation et de reconnexion en fait à ces sensations alimentaires. C'est tout à fait possible. Subhanallah. L'être humain, de toute façon, est une machine extraordinaire. Ouais. Et quand on l'écoute, vraiment, quand on est très attentif, vous savez, c'est comme l'être humain dans les relations humaines. Quand on est attentif à l'autre, mashallah, la relation est meilleure et ça donne quelque chose de très beau et de très positif, très agréable. Pareillement pour notre corps. Nous devons savoir l'écouter, nous devons, parce qu'il communique avec nous. Subhanallah. Tout à fait. Et effectivement, quand il a plus faim, il nous le dit. Mais des fois, comme tu viens de le dire, on n'a pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a la gourmandise à côté. Exactement. Quand on nous parle de nous. Exactement. Et ça renvoie aussi à une notion qui est aussi très importante au niveau spirituel, c'est la maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser, et je pense que c'est un des points essentiels dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan, c'est entre autres la maîtrise de soi, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes de gestion de sa colère, de ses émotions, etc. Donc la maîtrise de soi aussi, c'est un point, je dirais, central de notre mois de jeûne. Tout à fait. Et Ramadan est là pour nous l'éduquer. Comme Ramadan nous impose justement cette maîtrise de soi qui rentre dans le culte, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, donc on s'éduque à se maîtriser, subhanallah al-Azim. Et après, le plus dur, c'est de rester justement dans cette maîtrise après Ramadan. Qu'Allah nous facilite, Rabbil Alamin. Tout à fait. Alors, une,
Une sœur nous demande, salam alaikum, quel ouvrage peut-on s'inspirer pour nous aider à conscientiser notre alimentation et faire référence à l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part ton livre, Hanan, précise-t-elle. Alors, déjà, j'irai les livres de médecine prophétique, que ce soit celui d'Ibn al-Qayyim et de Suyuti, tous les deux sont intéressants et débordent de conseils concernant l'alimentation prophétique. Après, je réfléchis. Il y a celui du docteur Eri Bousserwell, quelque chose comme ça, je pense également, qui a rédigé un ouvrage aussi. Mais comme ça, je n'en vois pas trop. Qui fait ce travail-là, en fait, de parallèle entre les deux. C'est vrai que la référence par excellence, en tout cas en médecine prophétique, est le livre d'Ibn al-Qayyim. Tout à fait. Ibn al-Nabawi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est toi qui en as écrit la préface, il me semble, d'après ce que vient de nous dire une participante, Allah Mubarak. Oui, de la nouvelle édition. Masha'Allah. Une dernière question, ensuite on passe à la deuxième partie, Inch'Allah. Le fait d'être régulier dans les heures fixes de repas n'est-il pas un problème pour le repas de midi? Voilà. Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Le fait d'être régulier dans les heures fixes de repas n'est-il pas un problème? Donc, est-ce que je pense que le fait de manger de manière régulière, peut-être c'est ce que voulait dire la sœur, de manière organisée? Alors, tout dépend. Je dirais qu'il y a certains profils de personnes qui ont besoin de structurer leur alimentation dans le sens où ça va… Je pense notamment aux personnes qui oublient de manger, par exemple, donc qui sont tellement déconnectées de leur corps qu'elles en oublient de répondre, en fait, aux besoins organiques et physiologiques. Donc, pour ces personnes-là, structurer et apporter des horaires, ça va les aider. Dans d'autres cas aussi, les personnes qui sont aussi peut-être dans une surabondance et qui mangent de manière intempestive, le fait d'avoir des horaires permet aussi, dans un premier temps, de structurer, de canaliser un peu les quantités de nourriture qui sont consommées. Néanmoins, une fois qu'on s'est reconnecté à ces sensations alimentaires, on est tout à fait apte à savoir à quel moment manger et à quel moment ne pas manger. C'est pour ça qu'on en arrive à avoir des personnes, une fois qu'elles se sont reconnectées, qui ne font plus qu'un repas par jour ou deux repas par jour, par exemple. Parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, à midi, elles n'ont pas faim, par exemple. Et du coup, pas forcément besoin de faire un repas. Et que c'est totalement même inutile dans leur cas. Donc, ça dépend vraiment de l'historique de la personne et de sa relation à la nourriture, je dirais. Et l'écoute de son corps, finalement. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, il y a d'autres questions, mais je pense qu'il y a déjà des réponses qui vont être données dans les prochaines parties. Donc, on continue, Inch'Allah, la deuxième partie et on reprendra les questions juste après. Inch'Allah. Alors, la deuxième partie, elle porte sur les bienfaits du jeûne. Et de nouveau, en fait, faire des petits parallèles entre les jeûnes, de santé avec les jeûnes spirituels, même si l'un dans l'autre, ça va de pair. Aussi, il y a tout un engouement pour le jeûne depuis quelques années, avec l'essor et la mode du jeûne intermittent, qui est pratiqué par beaucoup de sportifs, qui est pratiqué par des personnes qui veulent perdre du poids. Ou qui veulent juste optimiser leur état de santé. Et ce prendre-là, je vais faire un parallèle avec certaines choses et peut-être je vais sortir du cadre, mais je trouve que c'est dommage de conscientiser les bienfaits d'une injonction divine et d'un pilier de l'islam à travers ce que la modernité nous apprend et nous apporte. Je peux faire le parallèle avec, par exemple, le miracle morning, donc le fait de se lever tôt, de méditer, etc., de consacrer un moment pour soi avec le fajr. Donc, on a un essor, en fait, une mode
qui vient voilà, nous dire qu'il faut se lever tôt le matin pour être de bonne humeur la journée, pour optimiser son énergie, etc. On nous dit oui, il faut jeûner régulièrement parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour ceci, pour perdre du poids, etc. Alors que ce sont des choses qu'on a depuis plus de 1500 ans entre les mains. Et revenons-en à nos sources, exploitons nos sources. Elles ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup plus que ne le ferait la modernité, j'ai envie de dire. Donc, alhamdoulilah, néanmoins, c'est intéressant parce qu'on a des études scientifiques qui viennent appuyer les bienfaits du jeûne et les constater sur certaines pathologies. Donc, on a différents types de jeûne. On a ce que nous faisons, nous, dans le cadre de Ramadan. Donc, c'est un jeûne à la fois intermittent et sec. Donc, c'est-à-dire qu'on s'abstient de nourriture et de boisson pendant un certain nombre d'heures, pardon, pas de nourriture. Donc, ça, c'est l'intermittence. Et alors, le sec, il fait référence à quoi? Le fait qu'on n'a pas de boisson. Il faut savoir que dans un jeûne intermittent classique, on peut boire dans les heures d'abstinence alimentaire. Et le fait d'avoir un jeûne qui est totalement sec comme nous, eh bien, optimise encore plus certaines fonctions de notre corps. Donc, ils sont encore beaucoup plus bénéfiques qu'un jeûne intermittent classique. Donc, ce jeûne intermittent, on sait qu'il relance le métabolisme de base, on sait qu'il améliore la qualité du sommeil, on sait qu'il améliore l'énergie vitale, on sait qu'il améliore la combustion graisseuse, le niveau d'énergie dans le quotidien, on sait qu'il régule la glycémie. Et tout ça, ben en fait, c'est des bienfaits qu'on retrouve dans notre jeûne à nous et même bien plus. On a aussi un autre type de jeûne qui est un jeûne dit alterné et qui consiste à jeûner 2 jours par semaine. Et donc, pour lequel j'aime bien faire un parallèle avec le jeûne du lundi et du jeudi, subhanallah. Et là, on a une étude qui a été faite il y a quand même un petit temps, je pense une dizaine d'années, même plus, dans un hôpital universitaire sur des femmes qui souffraient du cancer du sein. Et le fait de les faire jeûner 2 jours par semaine avec une alimentation de type méditerranéenne les autres jours a fait que soit on a constaté des guérisons, soit des rémissions, soit des stagnations. Donc, c'est-à-dire aucun effet négatif du jeûne sur cette pathologie cancéreuse. Il n'y a pas eu d'accélération de cancer, il n'y a pas eu de perte de vitalité ou autre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, à savoir que là, il y a une pathologie qui était présente. Donc, on essaye de soigner quelque chose. Mais aussi, ce qu'il y a du point de vue religieux, c'est qu'on met l'accent sur la préservation de la santé avant l'apparition de la maladie. Donc, le fait de jeûner le lundi et le jeudi va préserver votre santé avant même de rechercher. Je ne nous le souhaite pas avant même de souhaiter de rechercher à guérir. Et puis, on a aussi un autre type de jeûne, c'est aussi un type de jeûne alterné où on jeûne 1 jour sur 2. Et donc, pareil, le fait de jeûner 1 jour sur 2 fait qu'on a une relance du métabolisme, on a une relance de la sécrétion et de la production des hormones, on a une perte de poids. Donc, c'est aussi une méthode qui est utilisée actuellement et qui est efficace chez les femmes. Dans la perte de poids, le fait de jeûner 1 jour sur 2. Néanmoins, ça demande une certaine organisation, une certaine motivation sur du long terme parce que c'est une perte de poids qui est très, très lente et progressive. Et donc, elle fait l'objet d'études scientifiques aux États-Unis. Donc, il y a des publications, des articles aux États-Unis uniquement. Je n'en ai pas trouvé ailleurs. Et ce jeûne, subhanallah, nous rappelle le jeûne de Daoud alayhi salam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit au sujet du jeûne de Daoud, la meilleure prière pour Allah et celle de Daoud, il dormait la moitié de la nuit, en veillait le tiers à prier, puis dormait le sixième restant. Il jeûnait 1 jour et mangeait 1 jour, subhanallah. Donc, c'est quand même incroyable, en fait, de trouver des parallèles entre les jeûnes qui font l'objet d'études scientifiques et les jeûnes au niveau spirituel. Alors, aussi, donc pour rappeler les bienfaits du jeûne, il faut savoir que le jeûne n'est pas censé être quelque chose d'éprouvant pour le corps. Donc, c'est-à-dire que c'est une mise au repos de nos organes qui est censée être profitable. Ce sont censés être des vacances pour notre corps. Donc, le terme vacances, il est sciemment choisi. Pourquoi? Parce que de nouveau, essayons d'analyser nos tables à tout un chacun au moment de l'iftar.
ou du suhoor éventuellement, et de se dire, est-ce que vraiment ce que je vais ingurgiter à ce moment-là s'apparente à des vacances pour mon corps ou pas, ou plutôt c'est un 38 heures qui est fait en l'espace d'une heure. Donc, c'est ce que ça dit, Pierre. Parce que en général, en temps normal, il a le temps de digérer entre les repas, mais là, c'est un tas en une seule fois. Donc, le pauvre, on lui demande deux fois plus de travail. Exactement, exactement. En plus dans un temps, donc le soir, où il est censé être dans un repos digestif. Donc, où il faut vraiment lui faciliter la tâche parce que le corps n'est pas habitué tout au long de l'année à recevoir de la nourriture la nuit. Donc, il faut aussi être très attentif à ça, mais on y reviendra dans la troisième partie, Inch'Allah. Donc, se rappeler en fait vraiment que nos repas ne doivent pas être violents et agressifs pour le corps durant le mois de Ramadan. Se rappeler aussi parce qu'on a beaucoup... On a beaucoup, d'ailleurs, il y avait la petite vidéo sur la page Instagram de Darifton et compagnie qui a beaucoup, beaucoup été partagée et où la question qui m'avait été posée, c'est la recherche d'un aliment pour ne pas avoir faim pendant la journée de jeûne. Et on est dans une forme d'anticipation et de peur de la faim. Mais qu'est-ce que la faim, enfin, qu'est-ce qu'on risque en fait à avoir faim? Est-ce qu'on risque de mourir? Est-ce qu'on risque de ne pas recevoir de la nourriture le soir? Alhamdoulilah, dans la majeure partie des cas, on va recevoir de la nourriture le soir. On va pouvoir rompre notre jeûne dans des conditions correctes et favorables. Et un des aspects importants du jeûne, c'est de se rappeler de la condition des nécessiteux et des personnes qui rencontrent la faim tous les jours. Donc, si c'est pour être dans l'anticipation de la faim et la recherche d'aliments qui vont nous remplir suffisamment pour ne pas ressentir la faim pendant la journée, on s'éloigne aussi un petit peu d'un des objectifs du jeûne, je dirais. Donc, se rappeler aussi que l'être humain jeûne très naturellement depuis la nuit des temps, que ce soit à travers toutes les religions, spiritualités, etc. Et que très naturellement aussi, même quand on est malade, on se met à jeûner. Donc, quand on a ne fût-ce qu'une grippe ou autre, on se met à jeûner très, très naturellement, on n'a aucun appétit. Pourquoi ? Parce que le corps s'attelle à autre chose. Il a besoin d'éliminer le virus, la bactérie, le microbe. Il a besoin de stimuler son système immunitaire et ça va passer par le fait de ne pas manger, en fait. Et par ailleurs, pareil, en tant que parents, on s'inquiète quand nos enfants sont malades et qu'ils ne mangent pas. Mais subhanallah, eux sont beaucoup mieux connectés à leurs besoins que nous-mêmes et vont se mettre à jeûner très naturellement. Donc, le jeûne est quelque chose de tout à fait humain et de tout à fait réalisable pour la grande majorité des personnes. Ce n'est pas censé être quelque chose d'éprouvant. S'il est éprouvant, c'est peut-être parce qu'on a une alimentation qui n'est pas adaptée. Ou alors aussi, je relativise bien évidemment et je nuance. Ou alors, on est dans un état physique qui n'est pas optimal et qui ne permet pas de profiter des bienfaits du jeûne. Et là, de nouveau, il y a un travail à faire sur son état de santé, bien évidemment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous surcharge pas au-delà de nos capacités. Donc, ça, je me permets de nuancer. Aussi, de nouveau, pour relativiser la sensation de faim pendant le jeûne, on a suffisamment de réserves nutritives dans notre corps que pour pouvoir pallier à l'absence de nourriture pendant la journée. Donc, le corps est parfaitement apte à aller chercher dans ses réserves pour produire de l'énergie en étant privé de nourriture. Et ce qui va se passer, qui est incroyable, c'est que c'est notre foi, en fait, notre foi avec un E, l'organe, la foi spirituelle, qui va produire ce qu'on appelle des corps cétoniques, donc à partir de graisse, de nos réserves de graisse, pour produire de l'énergie. D'accord ? Donc, la principale source d'énergie pour notre organisme, ce sont les glucides, les sucres, et donc le foie va s'occuper d'oxyder les graisses pour produire du sucre, du bon sucre, bien évidemment, qui va donner de l'énergie de manière progressive et diffuse dans la journée de jeûne. Et en fait, ces corps cétoniques que le foie fabrique nourrissent mieux notre système nerveux. Donc, le jeûne, donc que ce soit durant Ramadan ou en dehors de Ramadan, est une période propice à la mémorisation, à la concentration, à la prise d'initiative de décisions importantes, subhanallah. Et d'ailleurs, le mois de Ramadan, c'est également le mois du Coran, donc, durant lequel on essaye d'activer sa mémoire, d'activer sa concentration. Et donc, l'état de jeûne vient optimiser tout ça. D'accord ? Et alors, en fait, comme vous ne mangez pas, tous vos organes sont digestifs, sont au repos. Donc, toute l'énergie qui est consacrée
à la digestion en temps normal est consacré à d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que le corps va se régénérer, va se nettoyer, le système immunitaire va totalement être renouvelé au bout de 3 jours de jeûne. Donc, il y a énormément de bienfaits, une réparation et une meilleure mise en fonction du coup de nos organes. Donc, en prenant conscience de l'incroyable travail qui est fait par notre corps, de nouveau, une fois qu'on a conscientisé cet aspect-là, on se dit que ce serait vraiment dommage de venir gâcher ça en quelques heures le soir. Alors aussi, quelques bienfaits généraux du jeûne. Normalement, on constate une perte de poids, on constate une protection de la mémoire. Donc ça, je viens de vous l'expliquer là précédemment. On produit des nouvelles cellules nerveuses, donc c'est juste incroyable. On harmonise notre humeur. Donc, il faut savoir que les hormones du bien-être sont également optimisées pendant le jeûne. Et alors, il y a aussi des études qui ont été réalisées sur le sevrage alcoolique, par exemple. Donc, certains psychiatres ont fait jeûner des alcooliques pendant un certain nombre de semaines, environ 3 semaines, et ça a réussi à les sevrer de l'alcool. Donc, je pense notamment aux personnes qui fument. Donc profitez également du jeûne pour essayer de vous sevrer, inchallah, même si je sais que ça n'est pas évident du tout, mais essayez vraiment de travailler là-dessus, inchallah, et ne pas hésiter à vous faire accompagner si vous êtes dans ce cas de figure-là pour sortir de ce type d'addiction. Et je parlerai même d'addiction alimentaire, je ne suis pas obligée de parler de tabac ou d'alcool, mais le jeûne, enfin déjà d'un point de vue spirituel, nous permet de nous détacher pas du plaisir forcément, parce que c'est important, je pense, de garder un certain plaisir par rapport à la nourriture, mais du plaisir exagéré relié à la nourriture et de retrouver un rapport serein et mesuré à l'alimentation. On réduit également le risque de développer des maladies type Alzheimer, Parkinson. Pourquoi ? Parce que notre système nerveux est bien protégé. On constate une baisse du taux de cholestérol, du mauvais cholestérol et une augmentation du bon cholestérol. On constate une régulation de la glycémie, une régulation de la tension. On constate aussi un effet bénéfique du jeûne sur la maladie de la goutte, donc où ce sont des dépôts d'acide urique qui viennent se placer au niveau de nos articulations. Et en fait, l'état de jeûne permet de mieux éliminer ces dépôts d'acide urique, subhanallah. Et par rapport à ce que je cite, par rapport aux pathologies, toujours vérifiez avec votre médecin, faites un bilan médical en amont du mois de jeûne pour voir si vous êtes susceptible et si vous êtes apte à jeûner ou pas. Parce que là, je donne des bienfaits généraux, mais ce n'est pas du tout du cas par cas. Donc, dans certains cas, ce ne sera pas possible et le jeûne sera pire que mieux. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à reconnaître les limites de votre corps et à voir ça avec votre médecin. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie qui se référait aux bienfaits du jeûne. Donc je vais également prendre les questions s'il y en a, Inch'Allah. Ou si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Donc si je résume ce que tu viens de dire, c'est que le jeûne a 3 effets sur le corps. Donc il a un effet de détoxification, d'une part, ensuite de prévention, comme tu l'as bien cité, et il peut avoir aussi un effet de guérison sur le corps. Tout à fait. D'accord. Mashallah. Et justement, je viens apporter, je viens, on va dire, illustrer cela avec un hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ka'b ibn Ujra, Ya Ka'b ibn Ujra, le jeûne est une protection. L'aumône éteint les péchés. Et la prière est un rapprochement. Et le hadith est très long. Hein. Mais cette partie, elle vient vraiment apporter cette information que le jeûne est... Alhamdoulilah, c'est un hadith apporté par Ahmed. Jazakallah khairan. Donc, barakallahu fik, nous avons fini la deuxième partie. Et donc, nous sommes prêts à vous lire pour les questions, Inch'Allah Ta'ala. Alors, là, on est dans les aliments. Je vais laisser les questions des aliments après, puisque c'est la dernière partie. Hein. Tout ce qui concerne les dattes, le café et tout. Donc, Inch'Allah.
Comment éviter ou diminuer les migraines? Ben on va y venir aussi dans la troisième partie, Inch'Allah. Alors, y a-t-il des bienfaits pour les personnes diabétiques? Tout dépend du type de diabète et du type de traitement. Donc pour certains diabétiques, le jeûne sera totalement bénéfique et faisable. Et puis pour d'autres types de diabète où le risque d'avoir des perturbations de la glycémie est trop important et ce ne sera pas envisageable à ce moment-là. Oui, c'est vrai que quand il y a comme ça, des maladies déclarées médicalement, vraiment avoir l'avis du médecin. Une autre question qui va dans ce sens-là, le jeûne est-il dangereux pour les personnes âgées avec une pile implantée au niveau du cœur? De nouveau, là, et pareil, il faut se référer à ce que conseille le médecin. Donc là, je ne prends pas la responsabilité de répondre à ce type de questions alors que je n'en sais pas plus et ça dépasse le champ de mes compétences, je dirais même. Oui, puis il y a une règle, subhanallah, la santé passe avant tout, avant Clairement. tout. Voilà, donc ensuite, pourquoi le jeûne est facile pour certains et difficile pour d'autres? Tiens, très bonne question. Alors, je dirais que physiologiquement, il y a certains profils de personnes qui sont plus fragilisés par le jeûne. Et du coup, ça va être un peu plus éprouvant que pour la norme, je dirais comme ça. Mais voilà, c'est un sacrifice et c'est qu'une purification pour ces personnes-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin des efforts qu'elles font pour y arriver. Donc là, il y a aussi, de nouveau, je viens nuancer ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a certains profils pour qui il est plus difficile de jeûner que pour d'autres, malgré une alimentation saine, etc. Après, il y a aussi le fait que ce soit difficile pour les personnes qui n'ont pas une alimentation adaptée ou une hygiène de vie adaptée, qui ont des habitudes de sommeil qui sont très mauvaises, ou une alimentation qui est très transformée, trop riche en gras, en sucre, etc. Et là, effectivement, le fait de jeûner va être très éprouvant aussi. Donc là, ça dépend, je dirais, de la personne. Est-ce qu'elle fait tout bien comme il faut, entre guillemets, et ça se passe quand même difficilement? Est-ce que c'est dans son profil depuis toujours, ou est-ce que c'est dû à un état de fatigue chronique qui est présent et à un épuisement qui fait qu'actuellement, elle n'est plus vraiment apte à jeûner, donc ça aussi c'est possible. Ou alors c'est dans une fragilité qui est dans son profil, je dirais, et que le jeûne est un peu plus éprouvant que pour la norme dans son cas. Allahu a'lam. Subhanallah, justement, dans le même sens. Et comment reconnaître son profil alimentaire? Y a-t-il d'abord existe-t-il des profils alimentaires? Oui, effectivement. Donc c'est une de mes spécialités. Donc je suis formée au profilage alimentaire depuis 6 ans maintenant. Donc ça fait partie de mon travail de profiler les patients pour définir leur profil alimentaire. Pour le moment, je ne prends plus de patients à distance. Donc j'attends de terminer les suivis actuels pour en prendre de nouveaux. Mais j'invite aussi les personnes qui sont intéressées par ces questions-là à être connecté, parce qu'il y a une surprise, une belle surprise qui arrive, Inch'Allah. Masha'Allah, khair, Inch'Allah. Maman, je l'espère, Inch'Allah, pour l'Aïd, je l'espère. Qu'Allah te facilite, Amin, hein. ya Je Rabbi. sais que Amin, Masha'Allah. Alors, on a un beau témoignage ici qui nous dit, pour ma part, alhamdoulilah, je souffre d'hypertension. Depuis la naissance de ma fille et depuis le jeûne, les lundis et jeudis, j'ai vu des résultats, alhamdoulilah. Donc Alhamdulillah. là, on voit le côté de la guérison du jeune. Alhamdulillah. Et c'est bien, et c'est un témoignage qui est plein d'espoir pour les personnes qui regardent le live et voilà, qui permettent d'objectiver les bienfaits du jeûne. Exactement. Alors, on te demande quand est-ce que tu vas reprendre les profils alimentaires? Je pense que si vous la suivez sur les réseaux, vous allez le savoir. Inch'Allah, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, et justement, il faut savoir qu'établir un profil alimentaire, ça demande beaucoup de temps et donc on peut pas faire ça de manière
Enfin, avec une grande quantité de monde. Donc, ça, c'est aussi important pour moi de ne pas prendre énormément de monde. Donc, j'attends de finir mes suivis actuels, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a une surprise qui arrive et qui peut vous aider, qui peut vous aider dans ce sens, mais j'en dis pas plus. Donc, ça y est, on limite. On a déjà eu pas mal d'informations pour la SPADA, des facilitateurs. Alors, une question ici, mais je pense qu'elle rentre dans la troisième partie par rapport aux compléments alimentaires. Je pense qu'on va laisser ça pour la troisième partie. Oui. Oui. Alors, juste, dans quel cas le jeûne peut-il être néfaste? Alors, le jeûne peut être néfaste, bon, quand il y a une pathologie qui est présente, enfin, une pathologie déséquilibrée, j'irais dans certains cas de diabète, dans certaines maladies auto-immunes, dans certaines maladies inflammatoires, dans des cas d'épuisement chronique avancé. Donc, il y a des personnes qui sont tellement épuisées physiquement et psychologiquement, je dirais que le corps n'a plus du tout les ressources que pour faire cette purification et cette détoxification, cette régénération n'est pas possible. Mais là, de nouveau, j'en revois à tout un chacun à se référer à son médecin pour savoir si, dans leur cas, le jeûne serait néfaste ou pas. Le jeûne peut être néfaste pour une femme enceinte. Pareil, on a des femmes qui jeûnent enceintes et pour qui ça se passe très bien. Puis on a des femmes qui jeûnent et pour qui ça se passe mal. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment impossible de dire dans tel cas c'est néfaste dans l'absolu et dans tel cas ça ne l'est pas. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur la difficulté du jeûne, hein, si tu permets. Là, c'est vrai qu'on a vu l'aspect physiologique, mais n'oublions pas, s'il vous plaît, que le jeûne est son premier aspect est spirituel. C'est quelque chose qui nous provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il provient de notre Créateur, de celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, ya ibadallah. Donc, si Allah Azzawajal nous demande de jeûner, sachez, mes chères sœurs, chers frères, que c'est forcément un bien pour toi. Combien même ça peut être difficile, c'est un bien pour toi. Et si c'est difficile, on rentre un peu dans le cul, si c'est difficile, justement, peut-être que là, dans ce matin, il est en train de te rappeler, il te dirait, reviens vers moi. Reviens vers moi. Purifie-toi, reviens vers moi. Tiens, je te donne des éléments pour te purifier. Et parmi ces éléments, le jeûne. D'accord? Donc, regardez aussi dans l'aspect aussi spirituel, comme quoi c'est vraiment communication avec Allah Azzawajal, le jeûne. C'est pour Allah Azzawajal. On y reviendra à la fin, Inch'Allah. Donc, voilà, je voulais un peu souligner ça Tout par à fait. rapport à la difficulté du jeûne. Tout à fait. Alors, Tout à fait. donc je pense qu'on va. Oui, tu voulais ajouter Oui, quelque non, je chose? voulais juste dire, comme l'expression le dit, le jeu en vaut largement la chandelle. Et la récompense, on le sait, enfin, la récompense du jeûne, elle n'est pas connue, elle n'est pas perceptible. Parfait. Mais Yom El Qiyamah, ben, on va en ressentir, on va se dire, tiens, ça valait vraiment la peine, Inch'Allah. Complètement, Hanan, dis-toi, subhanallah al-azim, que parmi les portes du paradis, une porte destinée aux jeûneurs. Ariane, subhanallah, une porte spécialement pour le jeûneur. Combien de milliards et de milliards et de milliards de gens existent-ils entre ceux qui sont déjà sous terre et ceux qui sont sur terre et ceux qui ne sont pas encore arrivés sur terre? Subhanallah, il y a une porte spécialement pour le jeûneur. Allahu Akbar. Donc vraiment, ça devrait nous donner la pêche, yani, pour, alhamdoulilah, c'est pour ça. Et les compagnons connaissaient la valeur de ce jeûne-là, puisque dès qu'il terminait, il priait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur permet de jeûner l'année d'après. Tellement les bienfaits sont grands. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde tous les bienfaits de ce mois, ya Rabbi al-Alamin. Alhamdoulilah. Barakallahu fiki. Donc, je pense qu'on va passer à la troisième partie, Inch'Allah ta'ala, troisième et dernière partie. Et on reprendra les questions juste après. Tout à fait. Donc, la troisième partie, elle porte en fait sur l'alimentation pour optimiser son jeûne. Donc, il y a l'avant, il y a le pendant et l'après. Et on oublie souvent l'avant. On oublie souvent le fait de se préparer tout doucement à entrer en état de jeûne au niveau alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est dans les semaines qui précèdent ou même socialement en fait.
On se dit, tiens, il faut qu'on fasse le dernier resto avant le mois de Ramadan. Il faut que je mange telle pâtisserie avant le mois de Ramadan. Il faut que je mange tel repas ou que je commande dans tel resto avant le mois de Ramadan. Donc, plutôt que de faire un effort pour se détacher de certaines nourritures, on a tendance à faire le contraire et se dire, tiens, c'est comme si c'était la dernière fois qu'on verrait certains aliments, subhanallah. Donc, ça va être important de se préparer avant. Pourquoi? Alors, si votre alimentation elle est saine, si vous avez l'habitude de jeûner, ben, en soi, il n'y a peut-être même pas vraiment de préparation à adopter parce que votre corps est habitué à jeûner parce que votre alimentation est de qualité. Néanmoins, si vous savez que vous avez certaines fragilités, certaines addictions alimentaires, si vous avez une relation à la nourriture qui est perturbée ou tout simplement une alimentation qui n'est pas saine, voilà, que dans votre quotidien et dans votre famille, ben, malheureusement, la qualité des aliments n'y est pas, bien d'essayer tout d'abord de conscientiser, de faire un petit examen, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de repérer dans votre frigo, dans votre placard, dans votre garde-manger, quels sont les aliments qui répondent aux trois caractéristiques, aux trois qualités qu'Ibn al-Qayyim nous a enseignées. Donc déjà, ce serait intéressant de faire ce travail-là en amont de Ramadan, par exemple. Bon, là, alhamdoulilah, on a déjà passé une semaine, mais ce n'est pas grave, c'est jamais trop tard. Vous pouvez le faire pour les 3 semaines qui suivent, tout comme vous pouvez le faire pour les autres années, Inch'Allah. Donc rien que d'avoir l'information, ça va être bénéfique. Donc se préparer à ce niveau-là pour conscientiser et se défaire de ses mauvaises habitudes, prendre le rythme, réapprendre à avoir faim, tout doucement. Donc pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, on évite d'anticiper la faim, on évite de vouloir faire des réserves, parce qu'il y a aussi une chose que Ibn al-Qayyim nous enseigne, c'est que le corps ne se renforce qu'en fonction de ce qu'il accepte. Donc même si j'ai envie de très bien faire, de prendre 10 compléments alimentaires et de manger très très sainement, mais plein de bonnes choses à la fois, ben, ça ne va pas être si utile que ça parce que mon corps, il a une limite dans ce qu'il accepte en termes de nourriture, même quand c'est qualitatif. D'accord? Donc, enfin, ce qui va être important, c'est prendre le rythme, se défaire de ses mauvaises habitudes, réapprendre à avoir faim. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, ben, justement, il y avait la question des migraines qui revient. Et puis, il y a aussi la question des différents maux qu'on peut rencontrer la première semaine du mois de Ramadan. Alors tout d'abord, c'est tout à fait normal de ressentir certains symptômes au début, d'être un peu barbouillé au niveau de son estomac, d'avoir mal à la tête, de se sentir faible. Le corps est dans une phase d'adaptation. C'est tout à fait logique. Et puis, il va se produire aussi ce qu'on appelle une forme d'acidose. Donc, c'est-à-dire que la quantité d'acide va comme augmenter dans notre sang et ce qui peut donner ces symptômes désagréables. Donc, au plus on optimise la préparation, au plus on facilite cette acidose, et au plus elle se fait en douceur, et au moins on la ressent. Alors, ce qui pose le plus fréquemment souci, je dirais, dans l'alimentation actuelle, c'est deux éléments. Il y a le sucre, et puis il y a la consommation de thé et de café, ou de boissons stimulantes, énergisantes. Je sais que, par exemple, beaucoup de jeunes en consomment, et du coup, ça aussi, ça peut impacter négativement sur le début de leur jeûne. Donc, de nouveau, c'est très individuel, c'est de conscientiser les quantités d'excitants ou de sucre que l'on consomme dans son quotidien et de tout simplement essayer de mettre en place une petite stratégie de sevrage en se disant, tiens, ben, un mois avant Ramadan, je vais diminuer progressivement les quantités de thé, de café, de boissons stimulantes ou de sucre. Ok, cette semaine, j'en bois, je sais pas, 5-6 tasses par jour. Ben, la semaine d'après, je passe à 4 et puis à 2, etc. Alors, est-ce qu'il faut totalement les supprimer pour le mois de Ramadan ou pas? Ça dépend de nouveau en fonction de votre capacité. Si vous êtes apte à ne pas boire de thé ou de café sans en ressentir de gros effets secondaires, ou si vous ressentez vraiment le besoin d'en garder un par jour, moi j'essayerais de je vous recommanderais de vous situer à ça, plus ou moins une tasse de thé ou de café par jour, pas plus. Bon, les boissons énergisantes, ça, non, je peux pas donner. Je peux pas donner de quantité parce que c'est vraiment inutile. En fait, le thé et le café, à la limite, il y a quand même des bienfaits qui en émergent. Donc, on peut rester à une tasse maximum par jour. Vous arrivez à ne pas en avoir, c'est encore mieux, Inch'Allah. Donc, vraiment, voilà, d'établir une petite stratégie de sevrage et de diminuer progressivement la quantité. Pour y pallier, on peut penser à une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est de boire de l'eau mélangée à du miel, tout simplement. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de faire ce mélange-là le matin à jeun. Et c'est un mélange qui est stimulant, en fait. Stimulant, mais sans avoir le côté excitant de la théine et de la caféine. Donc, ça va être très intéressant de faire ce petit mélange-là ou de prendre des tisanes ou de faire des jus
de fruits, légumes ou autres qui vous permettent un peu de pallier à l'absence de ces produits-là. Pareil au niveau du sucre, j'essaie de conscientiser la quantité de sucre ajoutée dans mon alimentation, que ce soit des biscuits, des gâteaux ou autres, tout comme ça peut être les quantités de sucre que j'ajoute dans ma nourriture, dans mes boissons, etc. Et j'essaie de diminuer au fur et à mesure du mois qui précède. L'autre préparation qui était excellente, c'est celle aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à jeûner pendant le mois de Sha'ban. Donc, on a des sources qui relatent le fait de jeûner les 2 premières semaines et de s'arrêter les 2 dernières. Et puis, on a aussi certaines sources qui relatent le fait, donc c'est un hadith d'Aïcha radiallahu anha qui dit que c'était durant le mois de Sha'ban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus. Donc là, pareil, en fonction, je sais que les avis tendent à soit dire de jeûner les 2 premières semaines pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, et celles qui sont habituées peuvent se permettre de jeûner un peu plus longtemps le mois. Mais voilà, de nouveau, ici, ça renvoie à l'individualité, l'objectif étant de ne pas arriver au mois de Ramadan en étant fatigué d'avoir trop jeûné, par exemple. Alors, un autre point, et du coup, nous renvoie à un des versets que tu as cité dans Sourate Al-A'raf et qui nous enjoint à ne pas gaspiller. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter de gaspiller pendant le mois de Ramadan? Déjà, regardez à quel moment vous faites vos courses. Donc, si vous faites vos courses à 19h, une heure et demie avant le Maghreb et que la sensation de faim là elle est bien présente, vous risquez de surconsommer, d'acheter beaucoup plus que nécessaire et d'acheter des produits qui ne vont pas forcément être utiles. Donc essayez d'optimiser votre temps, de gagner du temps, d'éviter de passer trop de temps à faire vos courses justement en essayant de mettre le focus une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et de faire vos achats de manière groupée pour éviter de perdre du temps en grande surface, ce qui vous fait non seulement perdre du temps, et également, vous fait perdre, vous pousse à faire des mauvais choix alimentaires, je dirais. Donc, pour ça, vous pouvez faire des menus à l'avance. Donc, vous posez avec votre famille et essayez peut-être de voir ce qui ferait plaisir à l'un ou à l'autre de manger, d'établir une liste de courses en fonction de ces menus, de découper à l'avance certains légumes, de faire des sachets dans le congélateur, etc. Donc, optimisez votre temps et ça va vous permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire qui est juste effarant dans les pays arabo-musulmans en période de Ramadan. Donc il y a des chiffres qui sont quand même, qui font relativement peur. Donc pareil, revenons-en à nos sources, revenons-en à la juste mesure et évitons de tomber dans ce gaspillage. Le verset nous dit quand même qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Donc c'est une raison suffisante que pour pouvoir y prêter attention. D'accord? Donc ça, c'était la question de la préparation en amont du mois de Ramadan. Donc il y a le jeûne, il y a le fait d'établir des menus, etc., et de préparer des sachets, etc., et puis de conscientiser ses excès alimentaires ou son alimentation inadaptée et de voir comment est-ce que on peut tendre vers une alimentation plus saine en amont du mois de Ramadan. Ensuite, il y a le pendant. Donc pour le pendant, je dirais que normalement, on ne devrait pas autant se questionner par rapport à la question de la qualité de l'alimentation durant le Ramadan, puisqu'on est censé faire ce travail dans le quotidien et d'avoir une prédominance d'aliments sains dans notre alimentation. Mais donc, comme on le disait tout à l'heure, on est dans un jeûne diurne avec une alimentation nocturne. Et donc, où le système digestif est censé être au repos. Donc, c'est un peu comme si les rythmes s'inversaient. Donc, il faut vraiment qu'on s'attelle à faciliter le travail digestif sur un laps de temps qui est relativement court. Et donc, pour ça, déjà, se référer aux bienséances prophétiques en la matière. Je vous rappelle encore les 3 qualités des aliments cités par Ibn al-Qayyim. Et pour ce faire, essayer d'avoir les aliments les plus bruts, les plus naturels possibles. Des fruits, des légumes frais, des céréales entières, de la viande de qualité, des volailles fermières, des œufs qui ont été élevés en plein, enfin des œufs pas élevés en plein air, mais de poules élevées en plein air, pardon, pour avoir voilà, une alimentation qui soit la plus saine possible. Alors, au niveau de la composition des repas, donc je vais commencer avec l'iftar. Donc l'iftar, c'est un repas léger. C'est un repas qui est censé
juste marqué la rupture. Donc, par ailleurs, en français, on dit que c'est la rupture du jeûne. Donc, ce n'est même pas un repas à proprement dit, je vais dire ça comme ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer un signal au corps pour lui dire « tu vas recevoir de la nourriture dans pas longtemps ». Et donc, du coup, relancer un petit peu la mécanique digestive très en douceur. Pareil, se référer au modèle prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne préférentiellement avec des dattes, s'il n'en trouvait pas avec de l'eau. Et la datte, c'est vraiment le fruit par excellence pour rompre son jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle va venir remonter le taux de sucre dans le sang, donc il s'est abaissé au fur et à mesure de la journée, la stabiliser et défatiguer l'organisme en fait. Donc, ça va juste être suffisant pour rebooster l'organisme, le préparer à recevoir de la nourriture et de faire également comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, aller prier juste après la rupture. Donc, il n'y avait pas de nourriture, enfin, il n'y avait pas de repas directement. Il y avait d'abord cette rupture avec des dattes, le temps de prière qui permet justement en fait, d'apaiser la sensation de faim et de soif et puis, inch'Allah, de passer à un repas un peu plus tard dans la soirée. Alors ici, bon, on n'est pas, je ne dis pas de se contenter que des dattes, mais on peut éventuellement boire de l'eau, boire un jus, boire un bouillon léger ou une soupe et puis passer au repas un peu plus tard. Donc essentiellement, je dirais resucrer l'organisme entre guillemets et le réhydrater. D'accord? Et puis ensuite, on a un repas le soir qui doit... toujours dans la continuité du repos digestif. Donc, ça doit être des aliments qui vont être, qui vont pas rester plusieurs heures sur votre système digestif. Donc, une assiette qui soit la plus simple possible, dans laquelle il y a je dirais le moins d'informations possible pour votre corps. Parce qu'au plus vous le bombardez d'informations, au plus vous le fatiguez. Donc, on attend environ 30 minutes après la rupture, voire une heure pour les plus courageux. Donc, ça dépend vraiment un petit peu de vous, de votre famille. De comment ça se passe, vous essayez d'adapter en fonction. Ne poussez pas une heure après si ce n'est pas possible pour le reste de votre famille. Mais je dirais idéalement un petit 30 minutes, ce serait parfait. Et avec, comme je le disais, le moins d'informations possible. Donc pour ça, vous avez le modèle de l'assiette qui est très, très classique, mais qui résume en fait les recommandations nutritionnelles de base, qui est d'avoir une assiette où on est à plus de la moitié sous forme de légumes, de préférence de saison et locaux, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez profiter de la pleine vitalité de ces légumes. Les légumes vont venir, en fait, de par leur richesse nutritionnelle et leurs bienfaits, optimiser les activités de nettoyage du corps. Et les légumes sont très digestes. Donc, vraiment avoir la moitié de votre assiette sous forme de légumes et puis un quart sous forme de féculents, donc que ce soit des pommes de terre, du riz, un petit peu de pain, et vraiment viser aussi des choses qui vont être digestes. Si vous faites une grosse assiette de pâtes à ce repas-là, vous allez être juste KO, vous n'allez pas pouvoir prier, vous n'allez pas pouvoir lire, et vous passerez un petit peu aux côtés des bienfaits spirituels de la soirée. Et puis, un quart sous forme de protéines, et là, j'invite aussi tout un chacun à alterner les sources de protéines végétales et animales. Donc, ça peut être un petit peu de viande blanche, un petit peu de poisson, des œufs, du bon fromage, des fruits de mer ou alors des légumineuses, par exemple, ou des préparations à base de légumineuses. Et voilà, donc vraiment d'éviter d'avoir une grande variété d'aliments dans votre assiette. Est-ce que là, ça va? Parce qu'on m'a dit que ça coupait. Non, pour moi, ça va. D'accord. Sur Zoom aussi, c'est très bien. Donc, non, c'est très bon. C'est bon pour nous. On fait du mieux qu'on peut. Donc, désolé si ça bug ou autre. Mais vous avez plein de sources pour retrouver ce qui est cité de toute manière. Donc, donc c'était pour le repas. Et puis, subhanallah, on va avoir le temps de prière après avec Tarawih, où ça va justement laisser du temps et optimiser la digestion. Parce que par ces mouvements, la prière permet de faciliter le travail digestif. Donc là, ça va être
Parfait, idéal. Et donc, pensez aussi au fait qu'au plus vous allez manger, au plus votre corps va être fatigué et au moins vous pouvez être concentré dans votre prière. Et puis, alors, on a le suhoor. Qui va être en fait le repas le plus dense et le plus énergétique en fait. Donc, si on reprend, donc l'iftar, c'est juste la rupture, on apporte du sucre à l'organisme. Ensuite, on a le repas qui va se placer dans la mécanique du repos digestif, dans la continuité du repos digestif. Et puis, on a le suhoor qui va être un repas qui va être plus dense et plus énergétique. D'accord? Donc là, on va essayer d'avoir des sources de protéines, des sources de bons gras, notamment des sources de bons glucides. Donc là, il y a différentes options qui se présentent aux personnes. Soit de faire des petits déjeuners type protéinés et gras, donc par exemple avec des œufs, avec de la charcuterie, avec du bon fromage, avec des purées d'oléagineuses ou autres, ou même quelque chose qui semblerait être un repas complet. Il n'y a a priori pas de problème, tout dépend en fait du profil de la personne. En fonction de l'horaire aussi, certaines sont tout à fait aptes à manger à 4 heures du matin et d'autres pas vraiment, donc à adapter en fonction. Ça peut être de la talbina, donc je reviens chaque année avec ça parce que je me dis qu'on en profite pour remettre une sunna dans nos assiettes. Donc c'est une bouillie à base d'orge qui était recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut prendre des bouillons, voilà, des choses comme ça. Ça peut être du muesli, du granola fait maison de préférence. Donc, évitez aussi tout ce qui est commercial et qui va être source de trop de sucre. Mais dans tous les cas, au niveau du suhoor, on essaye d'éviter les sources de sucre dits rapides. Donc, je pense notamment aux garnitures sucrées comme la confiture, le chocolat, ou les céréales petit déjeuner qui reviennent souvent et qui, du coup, elles vont mettre en fait votre corps en état d'hypoglycémie dès le matin parce qu'elles sont trop, trop riches en sucre d'un coup et votre corps va abaisser ce taux de sucre qui est trop brutal pour lui, trop agressif, et vous allez vous réveiller avec un état d'hypoglycémie, et là, vous allez être fatigué toute la journée. Donc ça, c'est aussi un rappel pour tous les jeunes, les adolescents qui jeûnent pour leur première fois, etc. Donc d'essayer absolument d'éviter ce qui est trop sucré au suhoor, d'éviter tout ce qui est trop gras. Donc si c'est des aliments qui sont frits ou autres, au suhoor, on va vraiment éviter, enfin on essaye d'éviter dans le cadre du mois de Ramadan en général, mais encore plus pour le suhoor, et d'éviter ce qui est trop épicé, notamment si on retourne dormir. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir des perturbations au niveau digestif, des remontées acides et donc un inconfort digestif. Et alors aussi ce que je voulais dire, donc si les personnes n'arrivent pas à s'alimenter au suhoor, il ne faut pas se forcer à manger. Donc là vraiment être à l'écoute de votre corps, mais se rappeler du fait que le suhoor est une bénédiction, et du moins se contenter d'eau par exemple à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a très bien, enfin je sais aussi qu'il y a des personnes qui se sentent mieux quand elles se contentent juste d'eau au suhoor que quand elles ont mangé. Donc vraiment, c'est toujours très individuel et adapté en fonction de vous et de vos ressentis en fait. À partir du moment où vous écoutez votre corps, vous allez tout à fait respecter ce qu'il faut. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà par rapport au pendant, je dirais. Et puis alors pour l'après, c'est vraiment en quelques petits mots. C'est surtout en fait de se dire que voilà que le corps a été dans un rythme où il mange le soir et ne mange pas la journée pour retrouver un rythme où il va manger la journée et ne pas manger le soir. Donc, il faut vraiment adapter les quantités au fur et à mesure. Si vous surdosez la journée alors que vous sortez juste du mois de Ramadan, vous risquez d'avoir des inconforts, des nausées, des vomissements, de mal à l'estomac ou autre. Donc, réadapter tout doucement les quantités. Commencez par des petites quantités en journée et puis vous augmentez au fur et à mesure. Et puis surtout, en fait, parce qu'on a tendance à sprinter durant le mois de Ramadan et à se fixer beaucoup d'objectifs, que ce soit en termes de santé et surtout spirituel, se dire je vais faire ça, je fais ça et je fais ça. Mais il y a comme une perte de vitesse en sortant du mois de Ramadan. Mais vraiment, le mois de Ramadan, c'est un mois de réforme, donc c'est censé être un tremplin pour les 11 autres mois. Donc vraiment le considérer en tant que tel et d'essayer de maintenir un rythme régulier de jeûne, que ce soit à travers les 6 jours de Shawwal, donc directement après, le jeûne des jours blancs, le jeûne du lundi et du jeudi. Voilà, donc d'essayer de maintenir un rythme régulier de jeûne
au vu de toutes les vertus spirituelles, mais aussi au vu des vertus organiques pour vos corps. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais également prendre les questions, Inch'Allah. Jazakillahi Masha'Allah. Très intéressant, Masha'Allah. Alors, juste pour ajouter des petites choses, Inch'Allah, pour compléter, justement par rapport à la date, il est rapporté que le prophète Al-Sallam a dit, une maison où il n'y a pas de date est une maison dont les habitants sont affamés. Donc, tous les bienfaits de la date se lisent à travers ne serait-ce que cette petite phrase. Tout à fait. Celui qui n'a pas de date est affamé. Tellement elle est complète dans tout ce qu'elle comporte, subhanallah. De toute façon, la date, le palmier, tout ce qui l'entoure est très bénéfique, subhanallah. On le voit bien dans l'histoire avec Maryam, Tout à fait. l'Hadra, Tout à fait. subhanallah. Ensuite, il y a l'imam Az-Zuhri, il est connu aussi, qui dit que pour mémoriser un hadith, on doit manger des raisins secs. Subhanallah. Comme quoi, effectivement, l'alimentation a un impact direct sur nos capacités. Tout à fait. Je dirais même intellectuelles. Tout à fait. Subhanallah. Tout à fait. Inch'Allah. Et subhanallah, quand on voit justement tous ces bienfaits, on se dit le musulman se doit d'avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne santé. Est-ce que notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit? Le croyant fort est meilleur et plus agréable que le croyant faible. Donc là, quand on parle de force, souvent on met ça sur le dos de la foi, de la piété, mais il y a aussi la force physique. Une personne forte est plus agréable et meilleure qu'une personne faible. Wallahu a'la wa a'la. On prend les questions, inshallah ta'ala. Alors, j'avais déjà des questions toutes préparées tout à l'heure. Justement, alors avant de rentrer dans les questions, une question qui nous revient régulièrement, ce sont les fameuses qualités de l'alimentation. Peux-tu nous les répéter, s'il te plaît? Je vais les reprendre tout de suite. Donc, c'est une rapidité de digestion, une grande utilité et un grand effet sur les forces, et une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur pour le troisième. Tu peux répéter le deuxième, grande, donc Une grande capacité de. utilité et un grand effet sur les forces. D'accord. Et le troisième, excuse-moi. Donc une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur. Légèreté et absence de lourdeur. Voilà, je transmets. Désolée pour la faute d'orthographe, hein, c'est écrit très rapidement. Alhamdoulilah. Alors, par rapport au Barakallahu fik, pourquoi lorsqu'on mange suhoor peu, pourquoi lorsqu'on mange peu au suhoor, nous n'avons pas faim durant la journée, alors que si on mange beaucoup, on a faim à la moitié de la journée? C'est un peu, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus on mange, au plus le corps produit l'hormone de la faim. D'où le fait de ne pas exagérer et de manger à juste mesure et de s'arrêter à satiété. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est meilleur plutôt, glucides ou fruits? Les fruits sont source de glucides, donc c'est pas la question n'est pas. Alors, qu'est-ce que de bon, glucides, fruits? Donc, je pense que c'est ça, glucides ou fruits. C'est, les fruits sont, détiennent des glucides. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas. C'est pas possible de mettre de. Enfin, glucides ou fruits, c'est. La question n'est pas complète, je pense. Il manque quelque chose ou. Quel type de poisson préconisez-vous? Les poissons de petite taille en haute mer. Et qui proviennent de haute mer. Et puis, vous avez aussi les sigles.
MSC, ASC, quand vous achetez du poisson et qui sont des sigles de qualité en fait. Pourquoi? Parce que ça provient de pêche durable et de respect des calendriers de pêche et tout ça. Donc, ça peut aussi être des mentions intéressantes. Inch'Allah. Alors, huile d'olive et huile de noix. Quelle est la question? Quelle est la meilleure, je pense, ou bien qu'est-ce qu'on pense de l'huile d'olive et l'huile de noix, les deux? Y a pas d'huile qui est meilleure qu'une autre. En fait, il est important de varier le type d'huile qu'on utilise pour varier les apports en acides gras. Donc, comment bien s'hydrater pendant Ramadan, on l'a vu, notamment avec la datte? Pour l'hydratation à proprement dit, si je devais donner un conseil rapide, c'est vraiment de scinder les quantités d'eau sur la soirée. Donc, d'éviter de trop boire à l'iftar directement, comme certaines personnes ont tendance à faire, mais de boire à plusieurs reprises tout au long de la soirée et au souhur aussi. Les boissons gazeuses ont-ils un effet sur notre jeûne? Alors, en général, les boissons gazeuses sont très sucrées ou alors contiennent des édulcorants et des additifs chimiques, etc. Donc, on va essayer au maximum de les éviter forcément pendant le mois de Ramadan. Alors, un petit témoignage. Talbina sucrée à la datte mixée, subhanallah, soutient la satiété très longtemps sans alourdir le corps. Subhanallah. Et bien fait de la Talbina. Alors, quand manger les fruits, avant ou après le repas? Alors, si on s'en réfère, enfin déjà durant le mois de Ramadan, je dirais avant. Donc, ce qui va contenir des glucides, on va plutôt le privilégier à l'iftar. Donc, si par exemple, on ne prend pas des dattes ou si on veut prendre un ou deux fruits après les dattes, ben, ça va être intéressant de les prendre à ce moment-là, plutôt. Alors, je reprends l'histoire des glucides. Les fruits font-ils partie des bons glucides que vous conseillez pour Sohour? C'était la question. Alors, c'est vrai que niveau fruits, moi, je suis plus d'avis qu'il faut les manger à l'iftar pour Ramadan. Parce que comme les fruits contiennent des glucides simples, à moins que ce soit mélangé, en fait, si par exemple c'est un fruit qui est ajouté dans un porridge ou dans un milkshake, ce n'est pas problématique. Mais si par exemple une personne ne mange que des fruits, je ne trouve pas ça forcément adapté pour le suhoor. Après, Allahu a'lam, peut-être que certaines personnes se sentent très bien comme ça, et alors c'est très bien. Alors là, j'ai une question un peu. Désolée, j'ai une question au niveau alimentaire. Que conseillez-vous pour une personne qui a un problème digestif, donc incapable de garder les ablutions régulièrement? Et quels sont les aliments à éviter? Alors là, c'est compliqué de répondre, c'est de l'ordre de la consultation. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui fait que la personne ne retient pas ses ablutions. Donc il y a un déséquilibre de son microbiote intestinal ou de sa digestion de manière générale, mais il faut essayer de décrypter le pourquoi. Pourquoi est-ce que son microbiote est déséquilibré? Donc ça, c'est une question qui est complexe en fait. Et Oui, tout à fait. du coup, impossible de répondre comme ça, parce que pour un certain profil de personne, ce sera peut-être tel type d'aliments à éviter et d'autres types à privilégier. Et pour une autre personne, ce sera tout le contraire. Allahu Alors, je reprends une question qui avait été posée depuis le début. Comment ne pas être en excès en matière de boucher? Comment gérer? a'lam. En étant à l'écoute de son corps, en prenant le temps, en étant concentré sur son repas, donc le fait d'être concentré sur ce qui est présent dans son assiette, le fait de mastiquer correctement, au plus on mâche, au plus la sensation de satiété arrive rapidement. Donc c'est un conseil qui est très basique. Mais qui permet de mieux conscientiser la sensation de satiété. Et pas d'écran aussi, pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette ou autre pendant qu'on mange. Très important. Alors, que recommandes-tu comme complément alimentaire durant ce mois de jeûne? Et complément alimentaire et de jeûne? Alors, a priori, on n'a pas besoin de compléments alimentaires quand on jeûne. Alors, une enfant diabétique sous insuline peut jeûner si son taux de glycémie reste correct durant la journée. Alors, Alors, ça, c'est un avis médical, hein? non, ça c'est un avis médical qui est demandé, c'est impossible de répondre. Pareil, est-ce que le jeûne peut être bénéfique pour une personne Alzheimer? Alors, si elle est apte à jeûner, pourquoi pas?
Maintenant, tout dépend du stade. Et Allahu a'lam, là, comme je disais, le jeûne préserve des maladies neurodégénératives. Maintenant, une fois que la maladie est installée, Allahu a'lam, ça, je n'ai pas d'études sur le sujet qui prouverait que jeûner, une fois que la maladie est installée, va l'aider à aller mieux ou à ralentir la maladie. Allahu a'lam. Après, le jeûne est une guérison. Donc, si la personne est apte et n'est pas dans un stade, j'irais trop avancé, où elle oublie qu'elle est en état de jeûne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut que physiquement, elle se sente bien aussi. Alors, est-il vrai qu'il faut tremper les fruits secs avant consommation? C'est toujours mieux. Ah, pas forcément pour les dattes. Hein. Dans les fruits secs, j'entends plutôt les oléagineuses, les amandes, etc. C'est toujours mieux de les tremper parce que, pendant une nuit parce que ça permet d'éliminer ce qu'on appelle les phytates, une substance qui empêche un peu l'assimilation des minéraux. Bon, on te demande de nous donner la recette de la talbina. Elle est Comment sur la talbina? Instagram. Elle est également sur YouTube. Donc, si on tape mon nom et Talbina, on va retomber sur la vidéo. Inch'Allah. Voilà donc les questions les plus. Après, chère sœur, chère frère, vous posez beaucoup de questions aussi en termes de jurisprudence, parce qu'il faut bien faire la distinction entre une personne qui est nutritionniste et la jurisprudence islamique. Ce sont deux choses complètement différentes. Et justement, alhamdoulilah, l'Institut Maïdas a cette spécialité d'enseigner la jurisprudence islamique. Et inshallah ta'ala, de toute façon, le Nabi alayhi nous dit clairement al-ilmu faridatun ala kulli muslim. Al-ilm faridatun ala kulli muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous avons l'obligation d'aller rechercher la connaissance, la science, pour justement toutes ces questions de notre quotidien. Alhamdoulilah, là, ce que nous venons d'écouter fait partie de la science à acquérir. Savoir s'alimenter, savoir éduquer, savoir. Mais il y a aussi des questions spécifiquement religieuses. D'accord? Et pour cela, il n'y a pas mieux que d'aller s'informer, d'aller chercher l'information à la source. Donc, je vous invite, Inch'Allah, sur Maïdas, à participer aux portes ouvertes, Inch'Allah, qui auront lieu le 16 et 17 avril, bi'idhnillahi ta'ala. Et ça vous permettra justement d'avoir un aperçu sur ce qui se fait. Inch'Allah, pourquoi pas faire partie de nos étudiants. En tout cas, vous serez toutes et tous les bienvenus, Inch'Allah ta'ala. C'est vraiment un pur plaisir d'être dans l'ilm. Voilà, subhanallah, c'est un cadeau d'Allah subhanallah que d'être sur le chemin de l'ilm. Alhamdulillah wa shukrulillah. Alors, je continue quelques questions. Comment perdre du poids pendant le ramadan? Rapidement. Alors, attention, la personne a bien cité rapidement. Rapidement en plus. Je pense qu'on pense pareil. Ouais. Déjà, toutes les pertes de poids rapides sont nocives. Au-delà de ça, il n'y a pas de régime à adopter pendant le mois de Ramadan. Sincèrement, si vous êtes dans un surpoids et que vous respectez tous les conseils et les bienséances alimentaires qu'on a évoqués aujourd'hui, vous devriez normalement, Inch'Allah, perdre du poids. Inch'Allah, c'est ça. Et encore une fois, Ramadan n'est pas un régime pour perdre du poids. Ce n'est pas le moment de perdre du poids. C'est le moment de perdre nos péchés, s'il vous plaît. C'est pour perdre nos péchés, nous alléger de nos péchés. C'est vrai, alhamdoulilah, Ramadan est là pour nous rééduquer. Quand on mange correctement, le surpoids diminue. Subhanallah. D'accord? Donc, il suffit juste de manger correctement ce qu'il faut. Et déjà, les gros surplus disparaissent, subhanallah. Donc, Inch'Allah, s'il vous plaît, Ramadan, la première chose qu'il faut perdre sur Ramadan, ce ne sont pas nos surplus, bien qu'on va les perdre de manière naturelle si on fait les choses correctement. Mais c'est surtout qu'Allah nous purifie nous nettoie, Inch'Allah ta'ala, pour, Inch'Allah, d'ici la fin de Ramadan, nous soyons purifiés et repartis, Inch'Allah, avec de bonnes résolutions, Inch'Allah ta'ala. Alors, les idées de recettes, alhamdoulilah, voilà. Donc, Inch'Allah, je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions.
Je regarde ici sur Instagram s'il n'y a pas de... Alors, Salam, par quoi peut-on remplacer le fromage si on est allergique au lactose? Mais ça, ce sont des questions aussi qui sont un petit peu hors sujet. Qui ne sont pas dans la thématique du Ramadan. D'accord. Donc là, après, ce sont des questions de fiqh. Et donc là, par contre, Inch'Allah, il y a des séances, d'autres séances, Inch'Allah, qui sont consacrées à cela. Donc, bidnillah et ta'ala, je crois qu'on a fait le tour, Hanana. Oui, Inch'Allah. Moi aussi, je vais devoir clôturer parce que j'ai un rendez-vous très bien. À l'extérieur, Inch'Allah. Je vais juste pour les personnes qui veulent, qui sont par exemple à la recherche de recettes. Donc j'ai un e-book de recettes que j'avais élaboré il y a quelques années, qui vient justement répondre à cette demande de préparer des repas rapidement pour Ramadan, donc sans perdre trop de temps en cuisine, et qui vient aussi respecter en fait les combinaisons alimentaires qui étaient recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et éviter les aliments qui n'étaient pas combinables ensemble. Il y a mon guide pour un ramadan sain, donc mon livre, et puis comme je le disais, Inch'Allah, une surprise qui arrive dans les jours qui suivent. Donc n'hésitez pas à regarder ça de plus près pour les personnes qui sont intéressées par ces questions propres à l'alimentation saine. Inch'Allah. Et donc on va terminer, Inch'Allah, est-ce que tu peux nous donner un mot de la fin, Inch'Allah, avant de faire une petite citation et clôturer bidnillah. Mais je vais reprendre peut-être la citation que je reprends souvent. Je suis désolée, je vois mon fils et je ne veux pas que vous... Tu peux reculer, s'il te plaît. La petite invocation que je dis en général pour clôturer mes interventions, tout simplement, ça va être très bref en 5 secondes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un mois de jeûne qui puisse alléger vos corps et élevez vos âmes, Inch'Allah. Allahumma amin, ya Rabbi al-alamin. Et donc, Inch'Allah, moi, je vais terminer par une citation que j'aime énormément de Hassan al-Basri, qui nous dit « L'être humain est une succession de jours, et à chaque jour passé, une partie de lui disparaît. Il est composé d'un cerveau qui réfléchit, un cœur qui aime, un corps qui bouge. L'alimentation du cerveau est le savoir, celle du cœur est l'amour que tu reçois de part et d'autre, et celles du corps sont les aliments et les boissons que tu consommes. Si tu nourris ton cerveau d'une connaissance utile, ton cœur d'un amour qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton corps de produits sains halal, tu ne seras qu'épanoui. Par contre, tu risques d'être dans la perdition si tu ne nourris pas ton cerveau de connaissance, ton cœur d'amour et ton corps d'aliments licites, et tu seras marginalisé. Quelle grande différence entre la réussite et la défaite. Donc, on comprend que le croyant a besoin d'un esprit sain dans un corps sain pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Le cœur et l'esprit sont nourris par l'adoration d'Allah azza wa jal avant tout. Et le corps est nourri par la bonne nourriture licite. Donc, licite et bonne. Je reprends, c'est les mots de Hanan. D'accord ? Donc, le licite, il n'est pas uniquement dans le halal et le haram, il est aussi dans les fonctions de la chose. Subhanallah. Et donc, alhamdoulilah, Allah nous a prouvé, alhamdoulilah, de tous ces bienfaits, mais il a mis des règles. À nous de respecter ces règles pour en tirer le meilleur des bénéfices. Alhamdoulilah. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes responsables du corps qui nous porte et nous avons des comptes à rendre. Yom Qiyama. Et enfin, je termine avec cette parole de Hudhayfa, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Ya Hudhayfa, celui dont la dernière œuvre est une journée de jeûne, par laquelle il recherche, wajh Allah, par laquelle il recherche le visage d'Allah, Allah le fait entrer au paradis, direct, subhanallah. » D'où la valeur du jeûne. Le jeûne a une valeur, on va dire, on vient de le voir, au niveau physiologique, mais il a aussi une grande, grande, grande valeur au niveau spirituel. Et ça, il faut, s'il vous plaît, ne pas l'oublier. Il faut l'allier. La bonne santé, ça fait partie du spirituel aussi, hein, de prendre soin de soi, c'est spirituel. Mais voilà, Ramadan, c'est un acte cultuel dans un premier temps, un acte qui est censé nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous
nous guider et nous montrer la meilleure voie, que ce soit dans notre alimentation, dans la prise de connaissances, dans tout ce que nous entreprenons, inshallah ta'ala, que tout soit fait dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc sur ce, on va clôturer. Shahan, barakallahu fiki pour ton intervention. Jazakallah al-khair, très 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 fructifiant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en récompense dans les deux mondes. Amin ya Rabbi. Et qu'il vous récompense tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, notre jeûne, et pardonne nos péchés et nous permette de tirer les meilleurs bénéfices de ce mois béni, inshallah ta'ala, que ce soit au niveau spirituel, moral et physique, inshallah ta'ala. Un dernier mot, Hanan, en clôture? Non, je disais juste, Abine, je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette conférence et pour les interactions. Barakallahu fikoum, Ajma'in. Barakallahu fik à l'Institut Maïdash aussi pour l'invitation. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi et avec l'ensemble de nos auditeurs. Barakallahu fik et merci pour cette magnifique citation. Sincèrement, des frissons en l'entendant. Barakallahu fik. Fiki Baraka, ce fut un plaisir aussi pour moi d'être en ta compagnie. Et Inch'Allah, au plaisir. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab al-nar. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا سميع المجيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا سميع المجيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا et je vous souhaite inchallah une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt باذن الله تعالى مرحبا بكم à nos portes ouvertes inchallah تعالى بارك الله فيكم جميعا في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام